Le pass de combat, donc du coup, les gars, juste rapidement, quand vous prenez le pass de combat en premium, tiens, je m'attends. Quand vous mettez le pass, quand vous prenez le pass de combat en premium, vous avez le méga skin Maquet de la mort. Donc moi je pense que je vais prendre hein, le pass premium déjà minimum. On verra si je prends l'ultimate pack, peut-être. Peut-être en vrai. Peut-être que je vais me chauffer. Mais en tout cas, premium, je prends. Premium, je prends. Premium, vous avez à chaque fois, vous savez, 5 récompenses. Il y a un skin de GOW46 qui pète la classe. Donc déjà, vous avez le skin de. Vous avez le skin de Maquet, mais vous avez le GOW46. Moi celui-là je prends instant. Je m'en fous. Pigeon, pas pigeon, rien à faire. Rien à faire. Le skin de la GW46 que je trouve plutôt canon. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en vrai. Moi les skins comme ça, je les aime bien. Je les trouve cool. En vrai, je les trouve très cool. Un peu modifiés, un peu chelou. Et en fait, vous en avez plusieurs comme ça et je le trouve. Ah, je trouve canon. Comment ça, pas mal le skin? Comment ça, pas mal le skin? Anilgos, tu peux pas dire bonjour avant d'arriver? Comment ça, pas mal le skin? Voilà, donc, bon, ça c'est premium, vous débloquez tout ça, hein, direct. Donc, vous allez vous faire plaisir, je pense. Donc après, bon, il y a des trucs un petit peu plus anecdotiques. Sachant que là, par exemple, on est sur un skin gratuit. Voilà, c'est toujours la même chose. Vous avez des trucs qui sont pas forcément ouf. Je trouve quand même que globalement, ce Battle Pass est assez qualitatif. Et là, on est sur un skin de la SVK. Pareil, donc toujours dans le même style, magnifique. Mais je trouve que les skins pour ce Battle Pass sont globalement plutôt réussis. Voilà. Donc ça peut valoir le coup de prendre le premium éventuellement. Les pochettes que vous débloquez niveau 10, hein, je rappelle, destinées au médic. Pochette de soins, pochette de munitions. Juste, on est. Je suis passé. Ah non, c'est après. Des Battlefield Coins à récupérer aussi hein, tout du long. Pourquoi j'ai enlevé la VLC? La VHX D3 que vous débloquez niveau. Je ne sais plus. Attendez, je remate. Que je vous dise ça précisément. Niveau 15. Niveau 15. Niveau 19, pardon. Niveau 19 pour la VHX D3. Débloquer la VHX D3 niveau 19. Les skins de Casper sont toujours très classe, mais évidemment, personne ne joue Casper. Le nouveau... Oh, skin d'AK pour Psychoquack. Le nouveau véhicule niveau 25, je crois. Le Yuv, qui a l'air très cool. Alors, il sera pas disponible sur la nouvelle map, évidemment. C'est bien le 10 octobre. Alors, c'est toujours la même chose, SNP. Ce sera le 10... À 10h, on pourra jouer sur la nouvelle map, mais généralement, le pass de combat, lui, il est que disponible en début d'après-midi. Vous savez, il y a toujours un petit délai. La nouvelle arme secondaire L9 CZ, que je vous dis la vérité, je n'ai pas eu l'occasion véritablement d'essayer, qui sera disponible niveau 31 du Battle Pass. T'as trop vite passé le skin AK, c'est vrai. Mais je crois que je m'arrête un peu plus sur un autre ou sur une autre vidéo, j'ai pensé à toi en plus. La G428 que vous débloquez niveau 46, donc assez loin quand même dans le pass de combat. Le skin de Crawford qu'on voit dans, dans la cinématique d'ailleurs. Donc moi j'aime bien ces skins, hein. C'est pas, on n'est pas sur un truc propre, on a un truc vraiment sale quoi. Un peu rafistolé. Le skin de la 12ème que j'ai hésité à vous montrer mais que je vous montre quand même. Voilà. Skin Maquet. Balek. La carte elle est très jolie celle-là je trouve. Skin d'hélico. Skin de Vekar évidemment. Skin de Zayn. Plutôt sympa. Skin de Lys sympa aussi mais pareil personne ne la joue donc... Oui sympa. Très badass quoi. Le skin de la G428, très cool. Donc nouveau DMR qui sera disponible pour la saison 6. Le skin de Deagle, très sympa aussi. Oh ouais. Ouais, très stylé, Elise, ouais. Total. Alors là, donc la VHX hein, qui ressemble énormément à un FAMAS. Le skin de la X du XE Bar, qui est très sympa aussi. Hein, je vous le remets juste. Mais pareil, hein, vous avez compris le... Comment dire, le thème. Hein.
Et ils ont plusieurs skins comme ça, avec plusieurs armes avec le même skin, avec le même thème. C'est très cool. Avec le petit écran là qui s'anime. Ou que tiers. Bah, c'est pas spécialement ouf ça. Skin de Boris qui est trop sympa en vrai. Bah, les skins comme ça sont très cool. Hein. Et le tier 100, du coup, ce sera. Le tier 100, ce sera le skin de Peck. Voilà. Les skins sont globalement. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils sont plutôt réussis. Hein.